je m'emmène dans la ville d'Hébron, ancienne cité à la minorité d'Hébreux. Sous fleur de verre pour le compte de mon oncle, mon nom c'est Daoud, un arabe au regard ténébreux. Je suis né dans ce genre de nid, tout près du quartier juif, en Cisjordanie. Jamais je ne sors la nuit, pas par peur du noir, mais par un couvre-feu qu'on me force à suivre. Mon défunt frère est mort l'an passé, officiellement pour défaut de laisser passer. Il voulait faire de mes 16 ans un jour exceptionnel, c'était sans compter de sa halle et son excès de zèle. La garde frontière en charge de son contrôle a cru drôle d'ouvrir la boîte au couteau commando, celle qui contenait le kéfier traditionnel et qui le soir constituerait le fraternel cadeau. Gâteau vandalisé par les gants de cuir d'une soldate qui n'avait que l'intention de nuire. Une vexation à laquelle mon frère réplique par des insultes et des menaces en langue arabe et en hébraïque. De quel droit tu crois pouvoir me gâcher la fête? Je ferais de toi ma chèvre si j'avais le doigt sur la gâchette. Enlève tes sales pattes tout de suite sur cette écharpe. Aveuglé par la colère, un coup lui échappe. Il n'en fallut pas plus pour que le canon crache le feu. Un triplé d'M16 dans le poitrail qui craque le mieux. Ce fut les derniers mots de mon frère, et leur sens était dirigé en ma faveur. Alors aujourd'hui, à la date anniversaire, je m'apprête à rendre l'appareil à l'adversaire qui m'a ôté la compagnie de mon aîné, de mon bien-aimé, m'a pris une large part de mon âme peinée. On me prêtera des intentions politiques, les médias du monde diront que je suis croyant fanatique, que j'ai agi programmé par un parti terroriste et qu'aussi j'enterre ici tout espoir de paix possible. J'aurais mille raisons de me ceinturer le torse, ce qu'a enduré mon peuple dans un sanctuaire de la mort. C'est blocus, mépris, obus, phosphore blanc, occulte, bouscule l'ONU qui fait semblant. Interdiction d'accès à certaines professions, et sur ta carte d'identité, on y impose ta confession. C'est donc ça la seule démocratie du Proche-Orient, agir en toute impunité sans qu'on ne lui reproche rien. Mais ma vengeance n'est que personnelle. Lorsqu'on arrive près du checkpoint des criminels, dans le bus, 10 personnes tout au plus, un enfant étrange qui vient de monter semble perdu. Ses yeux me fixent avec insistance, j'ai la drôle d'impression qu'il cherche assistance. Mais mon pouce a déjà enfoncé le bouton rouge, c'est ici que se rencontrent David et Daoud. Daoud s'est fait exploser, David est mort et ses parents vont se venger. Enfant du destin, enfant de la guerre, Palestine libre.